Monsieur Balmort, une dernière question peut-être. Quelle est votre perception sur le ressenti de la communauté internationale par rapport à cette opération israélienne? Est-ce que vous pensez que le message israélien est passé du côté des chancelleries occidentales? Je crois qu'on a pu voir des déclarations de soutien très importantes de la part des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la France, de la Grande-Bretagne. C'est extrêmement important. Les pays les plus influents de la communauté internationale soutiennent l'opération israélienne. Évidemment, il y a eu des condamnations russes, on pouvait s'y attendre, mais globalement, je crois pouvoir dire en ce moment que la communauté internationale, en tout cas en Occident, comprend les motivations israéliennes, les justifie et soutient cette opération dans les paramètres et dans les buts qui ont été présentés par le Premier ministre et le ministre de la Défense.